Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Chrysler et comment allez-vous? Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 13 sur Skyblock, Destinycraft Skyblock. Ça faisait longtemps et je suis sûr que vous l'attendez avec impatience, ce fameux Skyblock. Donc épisode, parce que c'est vrai que ça fait quand même tout cassé 2-3 semaines qu'il n'y a pas eu de Skyblock. Donc voilà, donc aujourd'hui, au programme, quelques petites bricoles. J'ai pas mal de petits trucs à faire, donc... Alors, avant toute chose, oula. Oula, qu'est-ce que c'est? J'ai des petits freeze là. Bref, c'est pas très grave, du moins j'espère pas. Pourquoi est-ce que... C'est bon, c'est passé, ok, je sais pas. Peut-être que quand je vais là... Ouais, ok, je sais pas, c'est sûrement un bug. Donc on va aller voir en bas, parce que j'ai croisé une sorcière en bas. Alors oui, parce qu'apparemment, en 1.7.4, je crois... Non, en 1.7, 1.7, ouais. Les sorcières peuvent spawn n'importe où, donc ça va être un élément assez intéressant, mais ça peut... C'est assez dangereux, du coup. Donc alors, attendez, je vais aller voir. Donc mon coffre, il avance super bien, on a plein de loot dedans. Je vais prendre des flèches quand même parce que bon, j'en ai besoin pour tirer avec mon arc. Ouais, il y a pas mal de loot là. Ça fonctionne pas mal. Hop, on va essayer de ranger un peu. Ok, bon bah c'est parfait alors. Hein. Vu tous les loots qu'on a, voilà. Donc justement, en parlant de l'usine à mobs, donc vous voyez, il va falloir que je fasse un petit peu du rangement ici. Surtout que... Enfin, du rangement. Putain, j'ai eu peur. Il va falloir surtout que je refasse un peu tout ça parce que c'est super moche. Moi je déteste les trucs mal faits, donc j'aime bien que ce soit bien propre, donc du coup... Ouais, on va... Attendez, ouais, c'est mieux comme ça. De toute façon, il faut que je fasse plein de trucs là, sur l'usine à mob et tout. Ça, je sais même pas pourquoi j'avais mis... Eh ben, je sais maintenant pourquoi j'ai mis ça. N'importe quoi. Donc, j'ai regardé au niveau des objectifs, donc on a... Merde, c'est pas ça que je vais faire, c'est C. Donc, on a le Pumpkin Farmer, qu'il va falloir vraiment qu'on fasse Pumpkin... Farmer. Merde. C'est pas ça? Ah oui, zut, faut que je l'attache. Quel noobie, voilà. Donc il faut 64 citrouilles. J'en ai, je crois, 30 et des poussières. Je vais vous montrer, je vais voir ça. Ok, 32, 36 maintenant. Donc, ouais, il va falloir qu'on farme un peu les citrouilles. Pour avoir notre objectif, ça nous fera gagner quoi? Des dirt, hein. Ouais, ça nous fait gagner des dirt. Et puis, de l'argent, je crois. Alors attendez 2 secondes, je vais faire un truc juste, voilà, fermer ma fenêtre parce qu'il fait un petit peu frisquet, voilà, désolé. Donc je voulais aller vers la tour à mob, faire quelques trucs, sachant que je crois, ouais, ça c'est parfait. Alors il y a pas mal de trucs qu'il faut que je change, est-ce que j'ai encore de la cobble, ça m'étonnerait. Ok, donc on va aller miner un petit peu de cobble, ah bah non j'en ai encore dans l'inventaire. Du charbon, je crois qu'il m'en restait un petit peu. Ouais, bah un petit peu, c'est même très peu. Voilà, ça, je sais pas si ça nous suffira. Ouais, vous savez quoi, on va déjà mettre du charbon à cuire. On va en mettre un. Voilà. On va faire comme ça. Tac, et là, on met ça. Le bug, voilà. Ok, bon, je pense qu'il nous cuira pas tout ça. Juste attendre que ça... Voilà, que j'ai un charbon pour le mettre ici. Voilà, parfait. Ok, donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Il faudrait que je refasse un petit peu... C'est des petites bricoles à faire sur notre île pour la rendre un petit peu plus jolie. Je vais vous montrer ça de toute façon. Alors la tour à mob, c'est une bonne question. Est-ce que je vais l'arrêter ici ou est-ce que je vais faire un troisième étage? Je pense que je vais faire un troisième étage. Malgré que 2 étages, c'est déjà assez conséquent, mais un troisième, ce serait pas de refus. Donc, troisième étage, je sais même pas. Je pense qu'on va le faire dans cet épisode, hein, pourquoi pas. Juste qu'il me faut... Qu'est-ce qu'il me fallait? Je ne sais plus. Voilà, des échelles. Est-ce que j'ai des échelles? Oui. Bon, j'en ai pas beaucoup, mais ça fera l'affaire. Alors, hop, donc ce qu'on va faire. Voilà, je sais qu'il y a de l'eau, ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Donc c'est histoire d'esthétique, hein, c'est pas rien d'autre. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait... Hop, alors attends, tac. Je sais pas, ouais, j'ai réussi, nickel. Voilà, c'est vraiment de l'esthétique pure et dure. Merde, attends, je me suis failli. En plus, j'ai pas de hache. Hop. On va devoir faire tout ça à la main. Faut que j'aille chercher une hache parce que c'est un peu lent, quoi.
Donc on va faire ça de l'autre côté. Vous voyez, c'est un peu comme l'étage là est en pierre et l'autre en bois, ça rend un petit peu mieux quand même. Je vais aller chercher une hache. Hop, donc les pierres, ce qu'on va faire avec, je vais vous montrer. On va le faire maintenant, je vais juste prendre une hache. Plus j'en ai une, c'est pas beau tout ça, hop. Donc les pierres, en fait, on va aller les remplacer au niveau du sol de mon élevage, parce que la cobble fait un peu moche. Ensuite, qu'est-ce que je voulais faire aussi dans cet épisode? Je voulais vous faire un petit parc du côté ici, là, en fait. Bon, un petit parc, j'appelle ça un parc, mais je veux dire, c'est surtout un truc où est-ce qu'il va y avoir de l'herbe. Parce qu'en fait, l'herbe, j'en ai pas besoin, mais je veux en garder sur mon île, parce que si j'enlève toute cette herbe, je n'aurai plus d'herbe. Parce que l'herbe, il faut savoir qu'elle pousse. Elle se répand, mais il faut une source d'herbe. Et pour avoir une source d'herbe, il faut un bloc d'herbe. Enfin, de gazon ou d'herbe, je ne sais pas, c'est peu importe. Donc voilà. Donc il va falloir, on va faire un petit parc après. Donc là, les planches là vont être remplacées par de l'herbe. Il va falloir que je fasse mettre de la terre pour que l'herbe se répande jusqu'au parc qu'on fera. Donc alors ici, c'est un petit, voilà, un petit, des petits détails qui rendent joli. Pareil, encore une histoire d'esthétique. Hop, voilà. Ah, si je pourrais récupérer tous les trucs, ce serait cool. Ah, je peux pas tous. Certains, je peux, d'autres, non. Faites gaffe, les vaches, surtout les... Ouais, bah les veaux, il n'y en a pas. Allez, poussez-vous, les vaches. Venez ici. Toujours aussi bêtes, ces vaches. Hop. Hop, alors il m'en manquera un petit peu, donc on ira en rechercher de la cobble. Enfin de la stone plutôt. Ouais. Ça m'énerve, il y en a plein qui tombent. Zut. Oh non, ne me dis pas que ça va tomber. Ouf, c'est bon. Hop, tac. Ouais bah après j'ai plus de cobble, il m'en manque 3. Ouais bon, je pense qu'elles sont cuites, je vais aller voir ça. Ok. Donc en plus, vous voyez là sur l'élevage, on voit la terre au-dessus. Ici là on voit la terre, donc c'est un peu moche sur le plafond. Donc c'est pour ça aussi que j'ai envie de changer, parce que bon. Et en plus là, ça a pas trop sa place. À moins que... Ah ouais, ça c'est pas bête, je suis en train de réfléchir là. Ah ouais, c'est pas con. Ah ouais. Ah ouais, là je viens d'avoir une bonne idée, ouais. Imaginez un petit peu un parc au milieu. Ça on va l'enlever, on va le mettre autre part. Ouais, un parc au milieu avec une magnifique fontaine centrale. La salle des coffres, je vais tout refaire. Je vais vous montrer. De toute façon, ah, pourquoi pas la refaire maintenant dans... Ouais, on va la faire dans l'épisode là, pourquoi pas. Ce serait cool, ouais. Ok, les tranches de melon, c'est parti. Il nous faudrait un lac aussi pour pêcher un peu. Parce que la pêche est quand même un élément assez important. Surtout quand on manque de bouffe, quoi. C'est assez cool d'avoir un peu de poisson. Donc je vois pas en fait, ouais, je vais essayer de refaire cette... Dans tous les cas, si je veux refaire cette salle des coffres, il nous faudra pas mal... Vous savez quoi, on la fera dans l'épisode prochain. Cet épisode, on va se préoccuper de notre fontaine qu'on va faire au milieu là. Donc ce qu'on va faire, on va déplacer déjà ça. Alors attendez. Oula oui, alors hop. Donc, faut surtout pas que je fasse de conneries. Et voilà, première connerie. J'ai eu chaud. Alors attendez, il va me falloir un seau. Ah ouais, surtout pas de conneries là, c'est super important. Le seau, où est-ce qu'il est? Ne me dites pas que j'ai paumé mon seau. Ne me dites pas que j'ai paumé mon seau quand même. J'ai plus de seau, mais what the fuck? J'en avais un. Merde, j'ai dû le perdre alors. Oh, putain, le con, on fait chier. Ah, faut que je regarde s'il y a des objectifs, des challenges qui donnent du fer. Qu'est-ce qui donnait du fer? Je ne me souviens plus maintenant. Monster Slayer. Peut-être que ça donne du fer, ça. Ah oui, un iron ore. Il faut quoi? 32 string, 32 arrows. Oh, il y a juste les ficelles qui m'embêtent. Le reste, j'en ai en illimité avec ma truc, mais les ficelles, j'en ai pas énormément en fait. J'en ai combien? J'en ai 30, ouais. Ouais, donc ça pourrait me permettre d'avoir un fer, ça, cet objectif. Je sais pas après s'il y a d'autres objectifs qui nous donnent du fer. Peut-être... C'est quoi Lumberjack? C'est pas un truc avec les...
16 bûches de chaque essence. Ah, ça c'est bien ça, 16 bûches. Ça c'est assez simple en plus, hein. Ouais, c'est super simple. D'épinette, bois d'épinette, what the fuck? D'épinette quoi. De sapin, je veux bien, mais d'épinette. Les traductions françaises resteront toujours what the fuck. Hein. Bon, ça m'énerve. Ok, donc il faudrait que je fasse pousser. Ouais, bon, bah du coup, il va falloir qu'on fasse cuire le fer, je suppose. Le seul fer qui nous restait. Hop, on va le faire cuire. Voilà. Donc je vais aller remplacer les dernières stones qui nous manquaient en bas. Oh la lave, quand je la vois, ça me fait flipper. Je me souviens le fail en plus que j'avais fait, alors que j'avais fait dans un épisode, je sais plus lequel, mais bon. Ne tombe pas. Je crois que sur la place, je vais pas faire une fontaine, je vais faire un pendoir, je crois. Non mais sérieusement quoi. Faut pas abuser quoi. Alors par contre du coup ce qui va m'embêter c'est que la place il va falloir qu'on la rehausse de 1. Pourquoi ça? Parce que comme je vous l'ai dit là quand on creuse on atterrit directement sur l'élevage et donc ça fait un toit en terre, un plafond en terre pour l'élevage donc ça va pas. Ça m'énerve ce truc de mon casque là. Voilà. Donc ça on va le déplacer mais on va pas le déplacer tout de suite. Donc il faut que je garde le schéma, pas que je l'oublie. Donc où est-ce qu'on va mettre ça? Il faut que je réfléchisse. Où est-ce qu'on va mettre notre nouveau truc de stone? Donc du coup, ouais, le seau je le crafterai après. Mais il me faut absolument, ouais, il me faut... Ouais. Et je voulais aussi faire un tour. Alors attendez. Slash warp, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Au shop, je voulais voir le prix des... Un seau de lave, combien ça coûte? 200. J'ai combien? Ok, 325. Donc je pourrais acheter un seau de lave si je voudrais. À quoi ça me servirait un seau de lave? Ça me servirait surtout principalement à faire un deuxième générateur de cobble, ça irait un peu plus vite. Bon, pour l'instant, on n'en a pas besoin, mais... 800. Oh la vache. Ça coûte cher. 800 quoi. J'ai même pas assez de toute façon. Donc pareil, les œufs là, il va falloir qu'on en achète pour faire des élevages. Le principal c'est les vaches parce que les vaches c'était les œufs qui étaient le plus cher. Donc c'est assez intéressant. Les poulets, je crois que j'en avais, je crois des poulets. Donc je vais aller voir les œufs que j'ai. J'en avais. Ouais, j'avais des œufs de poulet. Mais il y avait un truc qui donnait des œufs. Il faut que j'aille voir c'est lequel. Peut-être Wheat Farmer. Ça m'étonnerait. Non, ça donne des dirt. Apple Collector. Non, ça c'est pas ça. Expert Farmer peut-être. Ah ouais, un spawn egg. Donc un spawn egg, ça veut dire qu'on a un... Ouais. Donc ce qu'il me faut, il me faut 64 unités de... Ah ouais, quand même. Ça fait cher, hein. 64 unités de chaque, ça fait super cher quoi. Donc 64 unités, donc 64, donc ça fait un stack de blé, sucre, melon, carottes, patates, citrouilles. Ça fait super beaucoup. Ça, ah, l'araignée, je vais la tuer. Ça me fera des ficelles. Ouais, bon, des yeux d'araignée aussi, c'est bien. Ouais, donc ce que je voulais faire, je voulais aussi... Ouais, je vais aller faire ça. Replacer la torche pour éviter que les mobs y spawnent. Voilà. Oh, toutes les torches que j'avais mises ici. Ah, faut dire, ça spawnait beaucoup aussi. Hein. Ok, du côté là, je vais pas toucher. Du côté là, ouais, bon, allez, du côté là, je touche. Faut faire gaffe, il va y avoir de l'eau. Ah non, c'est ici l'eau. Ok. Hop. Donc je pense que je vais faire un petit truc pour que ça s'intègre bien au paysage, cette fameuse tour à mob. Un peu comme dans le let's play d'Hypierre, vous savez, il avait fait une magnifique fusée. C'était super beau quoi. Donc je pense que je vais faire... Je pense à un moulin à vent moi personnellement. Un moulin à vent ça pourrait être sympa. Surtout que j'ai déjà les bases sont en pierre, donc c'est vachement réaliste vu que les... Pas les bases, les... Oh, comment ça s'appelle? Les fondations, voilà, les fondations IRL sont en pierre. Donc pourquoi pas faire un moulin à vent, ouais.
À voir, ouais, on verra bien. Dans tous les cas, si je fais un moulin avant, il sera assez gros, quoi. Ouais, on verra bien, ça peut être sympa un petit moulin avant. Voilà. Voilà. Donc, si je pense que je vais faire... Donc là, ça va être tous les élevages. Donc les élevages... Ouais, je sais pas encore comment je vais les faire, les élevages. Tiens, il me manque une torche ici. De quel côté? Ok, du côté là. À deux d'espace. Voilà. Ça évitera que des monstres spawn. Ouais, et puis ici, il va falloir que je change parce que la cobble, c'est horrible, quoi. C'est clair. La cobble, c'est vraiment horrible. Donc, du coup... la cobble. On va reboucher ici parce que je suis tombé une fois, je tomberai pas deux fois. Ouais, bon bah écoutez. Bon alors c'est parti, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc on va sûrement... Ah, j'ai des petits freeze, je sais pas, des fois c'est des gros ralentissements comme ça. Je vais attendre que ça passe parce que c'est super embêtant. Attendez, je vais aller voir un truc. Option graphique. Max de FPS illimité. C'est peut-être ça qui faisait bugger, je sais pas. Je ne sais pas. Hop, désolé. Je vais juste faire un truc. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc, j'ai fait mon petit truc là, qui rend déjà un petit peu plus joli. Ensuite... Donc peut-être enlever ça parce qu'il n'y a plus beaucoup de monstres qui spawnent ici, donc je vais peut-être enlever ça, on va laisser de la place pour faire autre chose. Ah ouais, ça pourrait être pas mal, vous savez, un moulin. Je vais vous montrer une petite photo à l'écran par exemple, un moulin avec plein de blé au sol en fait. Ça ferait office de ferme à la fois et aussi de moulin. Donc éléments décoratifs plus éléments dont on a besoin quoi. Ressource primordiale, le blé. Donc voilà. Alors je réfléchis pour les élevages. Là il y a la bedrock, ça m'embête parce que la bedrock j'aurais bien voulu la mettre en valeur. Donc peut-être que les élevages on va les déplacer ici. Sur cette petite allée là. Je pense qu'on va faire ça. Donc ce qu'on va faire, on va bûcher un petit peu. On va prendre un peu de terre. On va bûcher un petit peu et puis les pousses d'arbres elles sont là-bas, il me faut de la poudre d'os. Voilà. Donc je vais prendre des bûches comme ça. C'est embêtant parce que vous savez avant quand on cassait un arbre, enfin on le bûchait, on avait droit, quand on le faisait pousser avec de la poudre d'os plutôt, on avait le droit à ce qu'il s'enlève tout seul. Et maintenant, c'est plus du tout ça. Donc, c'est assez embêtant, ça. C'était beaucoup mieux avant. Franchement, ouais, c'était sympa, leur truc. Mais bon, ça s'est enlevé, donc c'est un peu dommage. Voilà. Et hop. Alors, demain, vous aurez une vidéo... pour la team, parce que la team est enfin ouverte. Je vous invite d'ailleurs si vous voulez rejoindre. Donc c'est une team multigaming où est-ce qu'on va jouer sur plusieurs jeux, tout ça. On a déjà pas mal de jeux, on va avoir des serveurs par la suite. Donc voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez la rejoindre, c'est sur mon site, c'est rubrique rejoindre la team. C'est la rubrique qui est en haut dans l'onglet des menus. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Il y a un petit formulaire à remplir et puis on vous donnera les réponses. Donc samedi soir, on donne les réponses à tous ceux qui ont fait leur candidature cette semaine. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil si ça vous intéresse. Et puis, c'est vous qui voyez de toute façon. Et puis samedi, demain, de toute façon, il y aura une vidéo information pour vous dire. Mais bon, comme je sais qu'il y a beaucoup de monde qui regarde Skyblock, je le dis dans Skyblock, comme ça tout le monde en est informé. Je suis sûr qu'il n'y a personne qui a zappé ça. Oh, c'est vachement... Je l'ai mis vachement... C'est peut-être ça, je sais pas. Ah ouais, c'est ça. Ok. J'ai mis vachement fort le bruit quand on mange. Donc je l'ai baissé parce que bon.
Hop, ça, je relis à là. Je sais pas comment j'avais fait là. Ah, ok, j'avais continué avec de la... Ouais, bon, on va laisser comme ça pour l'instant. Vous savez quoi, en fin d'épisode, je vois qu'il y a quelqu'un qui a réussi un parcours là dans le chat. On va faire un épisode, on va aller faire un parcours. Redstone. C'est sympa les parcours. Hein. Bon, ça, il y en a certains qui servent à rien, mais c'est toujours fun quoi. Quand on n'a rien à faire. Oh non. OMG. J'en étais sûr. Oh non, en plus ça a collé. Eh, quoique, vous savez quoi, ça donne un super élément décoratif, ça. Ah, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça super magnifique. Attendez voir. On va regarder, mais... Ah ouais, moi j'aime bien. Il faudrait que j'ai des lianes, je ne sais même plus. Non, pas de lianes, merde. J'ai des cisailles, je crois que j'ai une cisaille, non? Ah non, j'ai pas de cisaille, zut. J'aurais voulu mettre des lianes. Bon bah tant pis. Ah ouais, c'est magnifique ça, on le laisse. On le laisse, c'est clair. Bon bah écoutez. Bon, je trouve ça pas mal, hein. Moi je trouve que c'est bien comme ça, avec un gros arbre comme ça qui encercle un peu la tour à meubles. Ça donne un super style. Bon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que en fait je sais pas trop. Bon, moi j'aime bien faire après, mais c'est vous qui voyez. Peut-être que ça peut donner un petit style un peu paysan comme ça. Je sais pas, campagnard, un peu un style un peu campagnard au moulin, si on le fait, le moulin à vent. Donc n'hésitez pas à me dire. Je vais ranger mes loot là, les loot de mobs. Ouais, bon j'en ai jamais que ça. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va aller voir en bas vu que j'ai bûché. J'ai que 14 bûches. Je vais pas aller loin. Plus il me faut encore des. Faut que j'aille cuire les. J'irai récolter ça après. D'abord je vais aller faire cuire la cobble. Parce que je peux pas faire d'élevage sans cobble, donc. Hop, on va prendre ça. Zut, n'importe quoi. Des fails, des fails. Et voilà. Donc voilà. Par contre, ouais, ça fait pas un super aspect le truc là. Parce qu'en fait, c'est sur du bois, quoi. Un arbre ne pousse pas sur du bois. C'est logique. Donc j'hésite, ouais. Bon. Et puis donc, vous savez quoi? Je pense qu'on va se laisser là-dessus, sur notre île. Ce qu'on va faire, on va poser tout dans un coffre, dans celui-là pour le coup. Oh non, on va tout ranger bien comme il faut. Hop, hop. Tac. Et pour une fois que je range mes coffres. Tac. Ici. Alors pourquoi je vais, vous allez me dire pourquoi je vais là-bas, pourquoi j'enlève tout dans mes coffres, vous allez voir dans quelques minutes. Toc, toc. La terre ici, les graines là-bas, les pousses ici aussi, les loots ici. Ensuite, les pastèques ici. Ok, j'ai plus de place. Bon, on va faire comme ça. Hop. La cobble, tout ce qui... Bah, de toute façon, le reste, c'est que de la cobble, je crois. Donc, on met tout ça là. Et le reste, je mets ici. Et voilà. Bon, bah, alors, on va faire un petit parcours pour la fin. Parcours, c'est ça. Donc, vous voyez, il y a plein de parcours. Je crois que je vous avais déjà montré. On va faire le parcours le plus simple, c'est le parcours Redstone. Je voulais juste voir. Ah oui, il a été réussi 4265 fois. On va essayer de le faire. Il est assez simple. Par contre, ouais, ça fait longtemps que je l'ai plus fait.
Et donc voilà, donc on a terminé enfin le parcours Redstone. Donc on est arrivé, on a fait un petit parcours là tranquillement. On était quand même assez haut du coup. Donc alors pour y aller, je crois qu'il faut passer par là. Bon, bref, c'est pas très grave. De toute façon, il n'y avait qu'une redstone à gagner. Bon, tant pis, c'est pas très grave, on a perdu. Mais bon, j'ai fait le parcours, j'ai été jusqu'au bout. C'est juste que je me suis fail. En plus, j'ai des petits frises, ça commence à m'énerver, ça. Il faudra que j'essaye de régler ça. Sur ce, bye tout le monde, c'était Chrysler. N'oubliez pas de laisser un petit pouce vert. On se retrouve demain pour une vidéo spéciale. Sinon, la semaine prochaine, lundi. Donc, bye tout le monde, c'était Chrysler. Bonne journée, bon appétit. Et puis, salut à tous.